le Camel, le 4L Trophy, pas le Camel, donc 4L Trophy. Je me flagellerai tout à l'heure chez moi pendant 10 minutes. Est-ce que tu peux nous parler de ta démarche et puis de l'association que tu défends aussi? Donc on a créé une association qui est MCA Trophy, on est de Cadiac. Donc on est deux jeunes qui participent à cette Trophy pour emmener des fournitures aux enfants dans le désert. Et donc c'est un raid humanitaire et ça va pouvoir servir à créer des écoles dans le monde. Et Dieu sait si le Maroc en a cruellement besoin, malheureusement, depuis ces derniers jours. Il me semble bien qu'il y a deux écoles qui ont été détruites, donc on va pouvoir participer à la prochaine. Ok, alors vous partez quand? On part le 15 février 2024. Vous avez déjà la 4L toute sifflée, vous avez tous vos sponsors ou il vous faut encore de l'aide? Alors il nous faut encore de l'aide, on a encore des emplacements sur la voiture qui sont disponibles. Et on a pas mal de sponsors. Rappelons quand même que, effectivement, même si c'est des voitures qui roulent thermiquement parlant, c'est quand même des 4L qui ont plus de 25 ans pour exactement. La plupart, voire même bien plus. Donc on est complètement dans l'idée que chaque se fait de l'éco-responsabilité et du recyclage. Et en plus, on amène des objets plutôt que de les foutre à la poubelle pour que ça aide des enfants qui en ont vraiment besoin. Et en même temps, ça fait des belles expériences. C'est ça, exactement. Donc, Jacques te suivra, envoie-nous des photos au fil du temps et puis on les relaiera. Et on te souhaite un bon courage et surtout je vais taguer sur le live, vous retrouverez sur l'association, si vous voulez la contacter ou envoyer des sous, n'hésitez pas, c'est pour la bonne cause.